Lucia. Bonjour. Salut. Nous avons vraiment besoin de ton aide maintenant. Je l'avais déjà amenée à l'hôpital. Mais jusque-là, elle n'arrive toujours pas à mettre au monde. S'il te plaît, je t'en supplie. J'aurais appris que tu as les dons pour aider les femmes enceintes. Peux-tu, s'il te plaît, venir avec moi? S'il te plaît, Grecia. C'est bon. Allons-y. Très bien. Merci. Oui, c'est vraiment ça. Je n'ai rien à dire. Ah, c'est normal. Est-ce que c'est vraiment la fille dont tu m'as parlé? Oui, oui, c'est ça. Ah, ok, j'ai compris maintenant. Oui, c'est ça. Vraiment, d'accord. Quoi encore? À moins que je ne meure, ma petite soeur ne peut pas se marier avant moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Comment tu peux venir gâcher la cérémonie de ta soeur? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi ne pas aller dehors là-bas te chercher un homme? Es-tu folle? S'il te plaît, maman, je te supplie au nom de Dieu, sois en dehors de ça. Et je sais comment prendre soin de ceux qui volent, ceux qui doivent être les maris des autres. Je te demande pardon, c'est quoi cette sottise? Tu penses que je ne connais pas? Tu penses que je ne connais pas que tu as volé mon mari? Qui? Je ne connais pas de quoi elle parle. Tu la connais? Je ne la connais pas. Je n'ai jamais eu une conversation ou amour avec elle. Pourquoi tu parles du mariage? Vraiment? Tu n'as pas une bonne mémoire. Tu sais que je peux me jeter sur toi, hein? Même ton vieux père ici ne va plus te reconnaître. C'est dans une famille comme ça que tu m'as amené, hein? Elle parle de n'importe quoi. Je ne la connais pas. Mais c'est quoi ça? C'est trop! À moins que je ne meure, je ne peux jamais accepter ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Dis-lui de laisser mon mari tranquille. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Allez, quitte ici. Quitte ici vite. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, attendez. Donc, vous me traitez d'une folle? Attendez. Je vais vous donner une leçon. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, non? Maman? 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 Pourquoi vous fouillez? Fallait rester là, ça ne vous fouettez. Viens épouser une femme, non? Viens épouser une femme. J'allais te couper la tête, n'importe quoi. Et toi aussi. Vous pensez que je vais rester là? La regarder se marier avant moi? Viens l'épouser. Ça ne va pas marcher. Pas aussi longtemps que je serai là, ça ne va pas marcher. Revenez épouser, et où?
Où penses-tu aller? Mais qu'est-ce que c'est au juste? Où penses-tu aller? Où penses-tu aller? Vous n'allez plus marier votre nièce, n'est-ce pas? Oui, mais. Désolé. Écoute, maintenant. D'accord, oui. Comme une grenouille. Saute comme une grenouille. Ah! Garde à vous! Écarte tes jambes. Ferme-les. Allez, bouge. Saute. Vous n'allez plus l'épouser. Stupide ancien. Venez l'épouser, non? Vous qui voulez l'épouser. Allez, garde à vous. Écarte tes jambes. Ferme-les. Allez, saute. Stupide dommagé. Avance et saute. Saute. Comme ça. Allez. Vous n'allez plus l'épouser. Hé, reste là. Fais des allers-retours. Ça me fait plaisir. Allez, saute. Ah! Reviens l'épouser, non? Hey, mon gars. Pourquoi ça te fait autant rire? Okay. Peut-être parce que tu n'es pas dans mon cas. Écoute, Ben, ce n'est pas que je me moque de toi, mais c'est marrant. Comment tu peux dire que ta sœur a soulevé ton père comme ça, et l'a jeté là-bas comme ça, et toi tu n'as rien fait? Pense-y aussi, et non? Qu'est-ce que j'allais faire? Me battre avec elle? Non, dis-moi. Ah, écoute, Ben, mais qui est cette fille? Parce que je suis très sûr qu'il y a quelque chose qui l'a poussée à commettre un tel acte. Qui est-elle? Je ne pense pas que tu la connais. Elle vient de village d'Umoku. C'est la grande sœur de la fille dont je vais épouser. Elle est entrée. Tu connais les filles qui aiment beaucoup se battre? Non. Elle a dit, tant qu'elle sera en vie, me laisser épouser sa petite sœur. Après l'avoir déjà demandé. Mais je ne comprends pas. D'accord. Comment? Mais dis-moi la vérité. L'as-tu utilisé et tu l'as rejeté? Je ne comprends pas. Tu tentais de me dire indirectement que je suis un coureur de jupon? Non, je n'ai pas dit ça. Mais pour qu'une fille ait le courage d'ouvrir sa bouche comme ça et commencer à parler, je sais que vous avez eu une affaire dans le passé. Et tu ne te rappelles pas. Tu me connais. Tu connais bien ton ami. Tu sais, je t'ai raconté toutes les filles avec qui je sortais. Et là, tu es en train de me parler de ma petite amie dans le passé. Tu connais mon histoire. Tu es mon ami. Et tu connais toutes ces histoires. Oh Ben, je ne sais pas où. Je ne sais pas. Bon, je ne dis plus rien. Bon, après tout ça, qu'est-ce que ton père a fait? Après tout ce qu'il s'est passé. Après ce que j'ai vu cette fille faire. Je ne sais pas si j'irai encore dans cette maison. Je vais l'appeler au téléphone. En fait, je ne veux pas perdre ma vie en tout cas. Je ne veux pas. Oh non, il n'y a pas de problème, mon gars. Très bien, alors, où allons-nous maintenant? Attends. Pourquoi? Tu n'as jamais été serré dans ta vie. Hein? Dans tout ce que tu parles, tu es toujours zigzag. Comme un fou. Non, attends. Tu me traites vraiment de tout ça ou bien? Ah, je viens de te dire. Je t'ai déjà dit. Tu es toujours comme ça. Mais pourquoi l'homme me parlait de cette manière? Est-ce qu'il le fallait? Tu ne changeras jamais, toi. Tu continues? Je t'ai boxé. Papa, comment tu sens-tu? Je m'améliore déjà. Et d'où viens-tu maintenant? J'étais parti voir mon ami Okichu. Est-ce que tout va bien? Ben, assieds-toi. Assieds-toi ici. Tu vois cet incident qui s'est passé autrefois. C'est vraiment terrible. Tu le vois certainement pas grave. Mais si pas par la grâce de Dieu, toi et moi serions déjà en ce moment de mort. Ah, sans effet. Papa, sans effet. Dieu ne va pas le permettre. Jamais. Ah, c'est quoi encore ça? Benjamin, peux-tu me dire comment tu es arrivé à connaître cette fille? Quelle fille? Qu'est-ce que tu veux dire, quelle fille? La fille que tu étais partie chercher à mon mariage? Oh, je pensais que tu parlais de la bagarreuse. Oui, je l'avais rencontrée il n'y a pas longtemps. Lorsque je rentrais à la maison, elle transportait un seau d'eau. Et j'étais parti l'aider. Et elle s'inquiétait beaucoup du fait que j'étais vraiment gentil. Après quelques mois, je lui ai fait ma demande. Et elle avait dit oui. Elle avait accepté d'être ma femme. Mais tu as entendu sa sœur dire que tu l'as utilisée et tu as profité d'elle.
Quelle explication peux-tu donner à tout ça? Papa, Dieu m'est témoin. Je n'ai jamais vu cette fille avant. Je n'ai jamais vu cette fille avec mes yeux. Faire l'amour ou la violer. Je ne sais pas de quoi elle parle. Je ne sais pas qui elle est et je ne l'ai jamais croisée dans ma vie. Benjamin. Benjamin. Papa. Benjamin. Papa, je ne la connais pas. Je ne connais pas qui elle est. Maintenant écoutez, nous allons chanter ceci. Basuariba de boy macarona kwa kon watane bebe watane dieti mputa nila na akpo mpoze biko welu kwa nwayo ka ye ncha na ro mana fugo maka di oke o maka na bebe de ko to wacha baza mana watane di oji mbo bona mfuria mwale kiko ya kanja cho kanna ke ako nwane na bebe ozeme na naska ozeme na naska to wacha mu naska to baby naska nwane bebe naska Bebe, Ozemena go take you to London. He go take you to Dubai. Ozemena, Nascar. Ozemena, Nascar. Ozemena, Nascar. J'espère que vous avez aimé. Tape là, tape ici. Tape là, tape là. Hugo, vous avez aimé ce morceau, n'est-ce pas? Non, ce garçon est vraiment terrible. Regardez comment il chante et il rappe. En tout cas, mes amis, moi aussi j'ai été impressionnée. Mais dites-moi un peu, mes amis, j'ai appris que ces gens-là, pour chanter comme ça, ils prennent de l'herbe ou de l'alcool, juste pour avoir de l'inspiration. Ça c'est un grand mensonge. Êtes-vous sûr de ce que vous êtes en train de dire? Moi, je ne peux jamais croire à cela. Hey, s'il vous plaît, je suis désolée. Sarah, je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Il y a des gens qui prennent de l'alcool pour avoir de l'inspiration. Donc, calme ça dépend toi, de tout un chacun. Moi, ce que je veux dire, c'est les gens prennent l'alcool pour n'importe quelle raison. Toi aussi, tu prends de l'alcool. C'est bon, mes chéris, calmez-vous. Non, attends un peu. Veux-tu m'insulter? Oh, les filles, s'il vous plaît. Madame, s'il te plaît, je ne te comprends pas. Je ne peux plus parler. Excuse-moi, s'il te plaît. Mais il n'y a aucune raison de vous fâcher. Arrêtez ça, Luffy. Oh, mais nous sommes en train de parler. Chacun de nous sort ses idées. Je vous en merci. Prie. Merci. Je vois que vous, les filles, vous êtes là pour m'énerver. S'il vous plaît, allez-y, moi, je rentre. Arrête ça, Sarah. Viens, on continue. Laisse-la. Elle pense qu'elle est devenue qui? Sarah. Laisse-la, allons-y. Sarah. Mes filles, merci comme vous êtes toutes là. Je vais vous demander une faveur. Tu peux juste me dire, s'il te plaît ma fille, qu'est-ce que ta sœur t'a fait pour que tu viennes chasser l'homme qui est venu jusqu'ici pour demander sa main en mariage? Je veux que tu m'expliques parce que tu es venu ici, tu as tout détruit, tu as semé vraiment une grande pagaille. Peux-tu me dire ce qu'elle t'a fait? Maman, je ne pense pas que cette question m'est adressée au... Ah. Tu commences à m'énerver. Ne me provoque pas. Parce que tu vas pas aimer ce que je vais te faire. Maman, alors, vas-y, parle-moi. Maman, je l'avais dit. Il faudrait passer sur mon corps pour que je permette à un homme de l'amener loin de moi. D'ailleurs, je n'ai pas le temps pour rester ici à écouter des bêtises, n'importe quoi. Obiageli, moi je parle et toi tu... Regardez-moi cette fille qui n'a pas de sauce, elle est comme une folle. Idiote! Moi je parle et tu t'en vas. C'est bon, je vais t'attendre seulement ici. Et tu viendras me trouver dans cette maison. Impoli! Mais je comprends pas. Moi je parle et elle s'en va. Maman, je crois qu'elle est en train de chercher un trouble. Et ce trouble, elle en trouvera. Elle a décidé de chasser mon mari. Mais je la ferai du mal dans ce village. Je vais la faire du mal dans ce village, maman. Qu'elle soit d'abord de retour.
Hey! Donc c'est devenu comme ça. Celle-là, je la parle, elle s'en va. Et toi aussi, si tu veux l'accompagner dans ses troubles. Ok. Quand tu as des enfants, deux problèmes. Tu n'as pas des enfants, deux problèmes. Surtout quand ce sont deux filles. Ha! Vous n'allez pas me tuer avant mon temps. Là, vous vous trompez parce que je suis ici collée avec vous. N'importe quoi. Et de quoi pensez-vous? Mais non, moi, je suis la meilleure. Et je sais que je veux me marier. Toi aussi. Ça, c'est qu'est-ce qui te dit que tu vas te marier avant eux? C'est moi qui te le dis. Attends, tu verras. Regarde-moi celle-là. Elle pense vraiment aller en mariage avec moi. Plus arrête ça, c'est pas vrai. Ma chérie, comment ta sœur peut être si égoïste et méchante? Mais prendre mon homme, je ne le permets pas. Je ne veux pas le permettre. Je lui rendrai inconfortable dans ce village. Jusqu'à ce qu'elle sera loin de celui qui devait être à mes côtés. Mais ta sœur Angela dit qu'elle n'a jamais tombé sous le charme de ton homme. As-tu déjà vu l'esprit de cet homme avant? Vous êtes folle. Vous êtes vraiment stupide. N'essaye pas de me souffler. Si je t'insulte, que feras-tu? Simple villageoise sans vergogne. Ne m'insulte pas. Je t'ai appelé une sale villageoise. Oh, mes amis, s'il vous plaît, je vous en prie. Ne faites pas ça. Arrêtez, arrêtez. Va là-bas. Mais arrêtez, vous n'avez aucune raison de vous battre. Oh, mais laisse-la. C'est pas ça. Mais. Oh, oh mon Dieu. Mais arrêtez. Arrêtez de. Au secours. Oh non, je suis fatiguée. Venez m'aider. Arrêtez. Ne vous battez pas. Arrêtez. Arrêtez ça. Non. Mais arrêtez. Oh mon Dieu. C'est quoi ça? Au secours. Chief! 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 Mais qu'est-ce que c'est? Viens m'aider! J'ai besoin de ton aide! Mon frère, je suis fini! Qu'est-ce qui te poursuit? Personne ne me suit! Mes enfants veulent se tuer! Ce qui les pousse de se battre, je ne sais pas! Hein? C'est juste à cause de la corde! La petite sœur a étalé ses habits et la grande sœur vient et la lève! La corde à sécher n'est pas pour tout le monde. Dans une seule famille, on ne peut pas utiliser une seule corde à sécher pour toute la famille. Et c'est impossible. C'est vraiment sérieux. Ce n'est pas c'est comme vrai. Ça que ces enfants veulent me créer des problèmes, mon frère. Mon frère, c'est un péché d'avoir des enfants. Viens voir, oh. Allons-y. Vous allez seulement me perdre comme ça avec ces enfants. Viens m'aider. Allons-y. On y va, oh. Allons-y. C'est si déshonorant et honteux la manière dont vous deux vous salissez le nom de cette famille dans ce village. C'est si honteux que vous ne pouvez même pas permettre à votre père de se reposer. Pas jusqu'à cette piqueuse d'homme. Reste loin de mon homme. Qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Oui, c'est comme ça que je t'ai appelé. Tu as écouté ta sœur. Tu l'as bien écouté. Oh. Tu as entendu comment elle vient de m'appeler maintenant? Je ne vais pas entendre ces bêtises d'elle. Oh. Veux-tu que je te rappelle que je suis ta grande sœur, et en prononçant mon nom, tu es obligée de le respecter. Respecter n'importe quoi. Toi-même, tu te respectes. Tu sais même c'est quoi le respect. Quand les gens parlent de respect, tu ne peux même pas ouvrir ta bouche pour parler de respect. Parce que tu n'as jamais su comment parler aux gens. Un autre mot encore, je vais... Hé, vous êtes là, arrêtez-moi ça. Non, tu ne feras rien. Allez, quitte-la, quitte. Ok, je ne peux rien faire. Ha! Je ne peux rien faire. Ce n'est pas clair que mes ennemis sont derrière moi et ils sont en train d'agir. Sinon, pourquoi mes deux enfants peuvent se chamailler de cette façon? Qu'est-ce que je peux dire aux gens? J'arrive pas à comprendre. Maman, il n'y a pas un ennemi ici. Le seul ennemi ici, c'est la personne qui est assise à ton côté. Qui est problématique? Toi! Moi, problématique. Ok, je suis problématique, n'est-ce pas? Oui. Je vais te montrer à quoi... Jamais, tu ne verras rien. Toi. Maman, s'il te plaît, oh. Maman, nous sommes
désolée. On ne va plus se battre, maman. Maman, réveille-toi, on ne va plus se battre. Nous sommes désolés, oh maman. Maman, désolée, on ne va plus se battre. Oncle, tu as vu ce qu'elle a causé? Tu as vu, oncle? Hein, oncle? Regarde. Maman, s'il te plaît. Maman, réveille-toi, oh. On est désolé. S'il te plaît, réveille-toi. Sera, s'il te plaît, attends. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée. Je n'avais pas l'intention de te blesser. Je suis désolée pour ce que je t'ai fait l'autre fois. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, Sera, je suis désolée. Je suis désolée, non? Je vais m'améliorer. Je te promets. Es-tu sûre? Uh-huh. Ok, à une seule condition. Uh-huh. N'importe quoi. C'est rien pour moi. Je vais réfléchir sur ça. Ah. Sera. Allez, viens par là. Ah. Merci. Au revoir. Ah, ah. Juste comme ça. Attends, non, je vais t'accompagner. Ma chérie. Dis-moi d'abord, c'était comment? Écoute-moi. Lorsque je suis arrivée là-bas, j'ai vu beaucoup de garçons, beaucoup de filles. Il y avait beaucoup de nourriture et de poissons. Je t'ai dit. J'ai vu un homme qui m'a regardé jusqu'à je suis tombée amoureuse. Mais comment ça s'est passé ainsi? Hey, Ujunwa. Ujulelu. Ujuna wa ton. Qu'est-ce qu'il y a comme ça, Ujuna? Qu'est-ce qu'il y a? Ujuna ton. Viens, osez. Ou bien, quel est ton nom? Viens. Pourquoi tu te moques de mon nom? Qu'est-ce que tu racontes là? Ujuna. Ujuna, c'est vraiment de ça que tu te moques, c'est ça? C'est le meilleur celui que je porte maintenant là. Toi, tu ne comprends pas? Laisse-moi te demander. Pourquoi tu ne me laisses pas intervenir? Il veut une merveilleuse beauté. Comme toi. Ou bien, tu ne sais pas que tu es belle. Et quoi? Ah. Tu veux coucher avec moi comme tu couches avec les autres filles? Non, mais pourquoi tu en arrives là? Bon, c'est comme si tu sais déjà tout alors, c'est ça? Comme tu sais déjà tout, on peut juste aller droit au but, tu comprends? Que la foudre s'abatte sur toi. Tu as un problème avec ta tête? Mais dis-moi, c'est quoi même ton problème toi là? Est-ce que c'est à toi que je parle? Il faut nous laisser finir les bêtises qu'il voulait dire. Osez, regarde-moi bien. Est-ce que je ressemble au fils aux emplois que tu ressembles pour jouer le jita sous le nom d'être un musicien? Alors, il faut vraiment que je te regarde très bien. Ah, parce que ce que je vois là, attends, dis-moi un peu. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que... Regarde-la bien. Maintenant, écoute-moi bien. La prochaine fois que tu marcherais sur la route, je ne vais pas seulement t'insulter. Je vais jeter le sable dans tes yeux. Bêtise. Ha! Oh, les filles, vous partez déjà? Non, t'inquiète, on revient. Attends, Noura, attends. Toi là, tu es toujours là. Tu te mets toujours de ce qui ne te regarde pas. Laisse-la aussi tranquille. Tu ne peux pas faire ça. Il faut aussi la laisser tranquille. Faut pas toujours être avec elle comme ça. Voilà comment elle est. Si ça même pouvait se voir de l'arrière. Voilà même comment elle est cette fille. Ah, je veux même comme ça. Je fasse seulement la même route que cette fille. Il s'habille très bien. Sa façon de s'habiller captive même mon cœur. Oh. Regarde, moi j'aime la façon dont il joue à la guitare. Oh. Il est vraiment talentueux. Regardez-le. Les chômeuses. Espèce de commère. Vous n'avez rien à faire dans la maison de vos parents? Il serait mieux que vous restiez chez vos parents au lieu d'être ici. Elles sont là juste pour attendre le mari des autres. C'est tout ce qu'elles ont à faire. Oui, je vois. C'est ce qu'elles cherchent. Oui. Je vois elles vraiment, sont comme je comprends. Sorcières. Ojo, ça c'est quel genre de nom que tu nous appelles? Tu m'as très bien entendu. J'ai été très clair avec vous. C'est à nous que vous appelez ainsi. Tape-la! Oui, c'est ça! Tape-la! Il faut bien le taper! Vous allez voir! Attends, on va vous montrer! On va vous corriger aujourd'hui! Pour insulter les gens! Tape-le! Tape-le vraiment! Ça, c'est bien fait! C'est bien fait pour vous deux! Allez! Oui, c'est bien fait! Comme ça, ça va vous donner une leçon! Vous n'allez plus répéter ça! Allez! Toi là! Toi là!
vais bien te taper. Toi aussi. C'est bien fait. Hier, je ne sais même pas par où se toucher. On vous tape déjà. Ça, c'est très bien. Tapez-le. Ça, c'est une leçon pour vous. Je veux vous taper. Tapez-le. Tapez-le. Ouais, ça, c'est bien. C'est bien. Tapez-le. Ok. Vous avez la force de parler. Mais la force de se battre, vous n'en avez pas. Ça, c'est bien. Oui, il faut continuer à la frapper. Tape-la. Tape-la. Ça, c'est bien. Qui est là-haut, Oh. Alors, à quoi devons-nous cette visite aussi honorable? Ozo, comment tu vas? Oui, je vais très bien, Oh. Ah, mais je suis encore surpris. Qu'est-ce qui peut bien vous amener ici chez moi à cette heure-ci? J'espère que tout va bien. Tout va bien, non? Nous sommes venus pour que tu rappes pour nous comme l'autre fois. Waouh. Bon, voici ce que nous allons faire. Vous allez aller là-bas, sous cet arbre-là, et puis moi je vais aller chercher ma guitare, et puis je vous rejoins. Ok. Allez, allez, je vous rejoins. On t'attend. Hey. Est-ce que vous êtes déjà prête? Soyez prête, nous allons déjà commencer. D'accord, laissez-moi m'asseoir. Hi. J'ai aimé ça. Oh, tu nous as vraiment manqué. Tu nous as manqué. Wow. C'est pour cela qu'on s'est décidé de venir nous-mêmes. Je vous jure, vous savez, mon cœur là me disait que moi là, je n'irai pas loin. À vrai dire, je ne croyais même pas moi-même. Loin, ma joie oui, est seulement que vous soyez venu ici pour écouter ma chanson que je chante. Pourquoi tu parles ainsi, non? Je ne sais pas. Nous sommes tes vrais fans, non? Écoutez, oh, si tu vous ne êtes sérieuse, pas. Oui, je vous rassure, j'irai très loin. Oui. Je vous dis, oh. bienvenue. Tchai. J'espère que vous l'aimez. C'est vraiment parfait pour nous, tu ne le vois pas? Vous êtes sérieux? Moi, je me réjouis. Alors, Ozzy, j'ai une question que je vais te poser. D'accord. Est-il possible qu'une personne qui habite avec toi ou qui partage vraiment avec toi peut avoir, je dirais, l'expérience de chanter aussi un jour comme toi? D'accord. Alors, il y a Ozzy Nwa, le Ozzy de notre village. Celui de notre village. Je ne fume pas, je ne prends pas l'alcool. N'est-ce pas ça? Alors? Julie, s'il te plaît, laisse Ozzy chanter pour nous. Allez. Non, bon, écoutez, pas ça. Laisse-moi te donner ceci alors. Ozzy Nwa, Ozzy Nwa, Ozzy Nwa. J'espère que vous aimez ça. Écoutez, faute de temps, je crois que c'est tout ce que je vous donne aujourd'hui. Et alors, quand vous allez venir pour la prochaine fois, je vous chanterai mon autre chanson. Mais pour l'instant, vous allez écouter seulement ce que je chante là, vous comprenez? Et je vais la chanter petit à petit. Okay, vous comprenez ça? Ozzy-wa, Ozzy-wa, Ozzy-zi-zi-zi-zi-zi-Ozzy-wa, Ozzy-wa, Ozzy-wa. Oh zizi 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 oh wow. Wow. Grande sœur. Petite sœur. D'où viens-tu? Je proviens de chez les Ozzy. Tu reviens de chez Ozzy? Oui. Tu reviens de chez Ozzy? Oui, ma sœur. Ozzy distribue l'argent? Mais je te demande, c'est Ozzy distribuer de l'argent? Combien de fois t'ai-je averti et interdit de ne pas fréquenter ces bons à rien? Ma sœur, Ozzy n'est pas un bon à rien. Tu as dit Ozzy n'est pas bon à rien? Il est bon à quoi, dis-moi? C'est une personne talentueuse. Ma sœur, si Ozzy est en train de chanter, aura pour toi, ma sœur, laisse-moi, tu seras aux anges. Tu es stupide. Juliette, tu es vraiment stupide. D'ailleurs, tu n'es pas intelligente. Non, non, continue. Continue toujours à fréquenter ces bonnes à rien.
Sache qu'en les fréquentant, tu risques de tomber enceinte. Sans effet. Oui, je t'avertis. Ma soeur, je ne veux pas être engrossée. Une petite fille comme moi, au nom de Jésus. Ma soeur, il n'y a rien à manger là-bas et moi j'ai très faim. Tu es normal? Il n'y a pas de la nourriture à la maison et tu as tellement faim. Sans avoir honte, un grand garçon que tu es. Tu viens me parler pour me demander la nourriture, moi. Non, viens me manger, non? Viens me manger, c'est moi la nourriture. Regarde, ne me provoque pas. Hein. Sors là-bas, va chercher de quoi faire. Tes amis sont là-bas dehors cherchant à faire quelque chose. Mais toi, tu viens me déranger. Il faut un effort que rien ne manque dans leur maison. Mais toi, tu te promènes seulement avec la guitare et tu l'amènes partout. En errant dans tous les villages sans rien faire. Pour faire juste de conneries et de bêtises. Tu ne peux même pas ramener ce que tu peux mettre dans ta bouche. Tu ne peux pas te battre pour manger. Tu n'as rien dans ta poche. Un grand garçon comme toi. Tu n'as pas de fitiro. Tu n'as aucun avenir. Toi, tu les comprendras. Mieux ça serait pour toi. Regarde-moi. Je travaille dans des lavages de voitures. Tu préfères que moi, je puisse travailler là-bas. Or, c'est toi qui pouvais le faire. Et tu viens me dire que tu sais combien c'est dur de travailler. Tu sais comment on me regarde. N'est-ce pas, c'est un travail des hommes. Moi, une fille, je pars là-bas pour travailler. Et toi, tu viens me dire que tu as faim. N'ose plus le faire. N'ose plus, je t'ai dit. Mais ma soeur, écoute. La grande soeur ici, c'est toi. C'est toi ma grande soeur ici. Et alors, si tu ne veux pas me nourrir, qui va le faire alors? Et ma carrière, ma petite carrière, pourquoi tu appelles ma carrière inutile? Pourquoi tu appelles ma carrière inutile? Écoute-moi bien, ma carrière là, il y a une chose que tu ne sais pas. Écoute, Fino, Obio, et tous là, ils me cherchent bientôt là, et bientôt nous allons faire des featuring. Je ferai le featuring avec eux si eux ne veulent pas faire avec moi. Et tous me cherchent. Écoute, est-ce que c'est maintenant de ma faute comme j'ai choisi une carrière? Hein? Tout ça, c'est parce que j'ai commencé ici au village. Mais un jour, je vais aller à l'étranger. Tu devrais normalement être heureux d'avoir un frère comme moi. Je fais quand même quelque chose au lieu que je reste ici à la maison. Hein? Et puis d'ailleurs, mon problème, c'est pas tout ça. Moi, mon seul problème, c'est que j'ai faim, je vais manger. C'est tout ce que j'ai maintenant. Merveilleux. Hein? Qui a fait ça, mon frère? Personne ne m'a fait ça. Moi, j'ai faim et il n'y a rien à manger à la maison. Je vais manger, mais il n'y a rien là-bas à la maison. Je vais manger, mais il n'y a rien. Comment je vais faire alors? Moi, j'ai fait en ce moment, je vais seulement Attends, manger. Attends, tu as dit que tu es le futur Fabregas. Le futur Ferré. Oui, et toi, tous. Sans argent, sans manager, mon frère. Si c'est ce qu'on te dit, laisse tomber. Tu n'iras pas loin, monsieur. Tu dois te trouver un travail. Il y a des taxis-motos, il y a des motos que tu peux faire. Oui, tu dois aussi apporter à manger dans cette maison. S'il faut qu'on te nourrisse, on te nourrisse. Reste là en train de rêver. Continue de rêver. Moi, c'est mon seul problème. Ma soeur, s'il te plaît, je veux quelque chose à manger. Je veux quelque chose à manger. Tout ce que je veux, c'est manger. Je veux manger. Je veux manger, c'est ça mon problème. N'importe quoi. Tu es vraiment un fou. Viens me manger, non? Viens me manger. Hey! Attends un peu, où? Est-ce que mon frère réfléchit vraiment bien? Parce que je ne comprends pas sa façon de faire, où? Tout fiac.
Oh, toi là, tu commences à avoir un gros bassin. Tchika. Hey! Mais c'est vrai ça. Comment tu peux avoir un bassin comme ça? Ton bassin là, ah, c'est vraiment du feu. Écoute ici, même si quelqu'un te demande, il ne faut jamais dire que tu m'as donné ça. Tu comprends? Personne. Pas de problème, si tu tiens juste à tes promesses. Tu en auras comme tu veux. Regarde-moi. Ah, c'est vrai ça, c'est vrai ça. Allez, Godi. Hey! Osame! Ma tante, bon après-midi. Qu'est-ce que cet après-midi t'arrache la bouche? Qu'est-ce que cet après-midi te tue? Sous ce soleil! Et toi? Bon après-midi. Tu n'es pas l'enfant de Ichi? Oui, tantine. Et qu'est-ce que tu fais ici? C'est juste pour la création de musique. Nous sommes là pour la répétition de la chanson. Oui. Oh, c'est vrai? Réaliser la musique. C'est pourquoi il te tape derrière. C'est juste pour essayer le rythme. Oh, ça doit être derrière. Ah, écoute, monsieur, tu vois, le problème est qu'ici, le film j'espère, a un problème, tu vois. Que dans 9 mois, le résultat de cette vidéo sera vu. Comme ça, tu l'auras. Hein? Allez, quitte ici! J'ai dit va-t'en! Allez, quitte la fille! Tout ça, c'est à cause de toi. Hey. Il faut leur dire que demain, elle doit venir. Oh. Nous devons travailler. Et toi, tu n'as rien dans cette maison. Pas de nourriture, pas de l'eau. Tu n'as rien du tout. Et tu ne sais même pas travailler. Mais tu es toujours avec les filles. Hein? Qu'est-ce que tu leur donnes pour te suivre? Qu'est-ce que tu as à les offrir? Mon cher frère, il faut faire attention. Hein? Tu dois être prudent. Ce que tu cherches, tu l'auras. Oh. Ma sœur, je te dis que moi, j'irai très loin. Et sois capable d'assumer. On verra si tu iras loin. J'irai très loin. Moi, je vais te voir aller loin. Je te dis que j'irai très loin. N'importe quoi. Je te dis que moi, j'irai très loin. Je vous promets. Attendez, vous allez voir. Ah, vous allez voir comment j'irai très loin. Vous allez voir. Osez maintenant. Boss, pour nettoyer, que je puisse le faire, de l'extérieur à l'intérieur. Ah, il n'y a pas de problème. Ok, c'est 1000 francs. C'est pas grave. Prenez. Ne vous dérangez pas, c'est à moi. Mais on va se mouiller ici. Oh, que je vous déplace, monsieur. Ok. Oh, les travaillos. Et tout, Tana. Tu vois, c'est elle. Mec. Et tout, Tana. J'ai regardé cette fille pendant un moment. Salango, Elenga Monsala. Elle travaille dur, tu vois. C'est le genre de fille qu'on appelle épouse. Ce n'est pas comme ces filles paresseuses-là. C'est le genre de femme qu'on appelle épouse, c'est ça. Est-ce que tu l'as vu? Tu vois comment elle lave la voiture? Regarde-la. Oui, oui. Tu as raison. Tu sais, des filles pareilles, tu n'auras pas de stress. Tu ne vas pas souffrir. Elle a juste envie d'avoir un homme qui peut lui donner tout ce qu'elle veut. Une fille qui travaille comme cette fille. Mais il faut aussi y penser. Ce n'est pas leur faute. Et si nous voyons bien, c'est aussi la faute à nous les hommes. Oui, c'est nous les hommes. C'est à nous la faute. C'est à nous vraiment. Oui. Tu sais ce qui se passe entre Obi et sa petite sœur n'est pas ordinaire. Ça signifie quoi que ce n'est pas ordinaire? Mais c'est évident. Comment est-ce qu'Obiaguri peut continuer à dire que cet homme lui appartient pendant que le Messie dit qu'il n'a jamais vu auparavant? Ma chère, c'est vraiment incroyable. Mais attends, ce n'est pas qu'elle n'est pas contente que sa sœur se marie avant elle. Non. Moi, je trouve que c'est la haine et la jalousie. Jalousie.
Je ne pense pas. De toutes les façons, elles sont toutes deux matures et elles savent ce qu'elles font. Exactement. C'est ça, oh, parce que moi aussi, je suis vraiment confuse. Parce que moi, je suis déjà confuse. Je suis fatiguée. Vraiment. Il y a quelque chose que j'aimerais vous demander. C'est quoi ça? Tu sais que tu es mon amie et il y a des choses que j'entends concernant le garde de ta sœur. Alors dis-nous la vérité. C'est vrai que tu as volé l'homme de ta sœur? Je me pose aussi la même question. Mais la vérité, c'est que je n'ai rien volé d'elle. Je n'ai rien pris d'elle. D'ailleurs, il a dit qu'il ne l'a jamais rencontrée. Ça, c'est sérieux. As-tu demandé à ton homme et fait des enquêtes réelles sur ça? Ta sœur pourrait avoir raison. Je sais ce que je dis. Exactement. Et je pense qu'il serait mieux pour toi de mener des enquêtes sur ces gars. Je connais très bien Ben. Il ne ment jamais. Il ne connaît même pas comment mentir. De toutes les façons, je vais continuer de lui demander. Je vais lui demander. Tu dois le faire. Il faut vraiment essayer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère amie. J'ai apprécié. Merci. D'accord. On veut juste la paix. Mon amour, je vais te poser une question. Et je ne veux rien qui est la vérité. Ok, pose-moi ta question. As-tu déjà rencontré ma sœur ou vous avez eu une affaire dans le passé? Ah, bébé, je t'avais dit. Je t'ai toujours dit plusieurs fois, je n'ai jamais croisé ta sœur. Je ne l'ai jamais vue avant. Et je t'avais dit devant elle et toi. Je sais, tu me l'avais dit. Mon dos, juste faire des recherches. Je dois un peu te rappeler. Voyons, Angela, je ne suis pas une enfant. J'ai une tête qui réfléchit. Je n'ai pas un problème mental. Je ne la connais pas. Je peux le dire encore et encore. Je ne la connais pas et je ne l'ai jamais croisée. Tu ne comprends pas? Hein? Je n'ai jamais eu quelque chose avec elle. Mais non! Es-tu sûr? Je suis sûr. Vraiment sûr. Mais hein, je ne sais pas. Elle est juste apparue comme ça, mais je ne sais même pas où est-ce que... Où est-ce qu'elle m'a connu? Parce que moi, je ne la connais même pas. Tu sais, je n'ai jamais connu ta sœur. Ben, allons-y alors. Hein, ta sœur. Regarde tout ça là. C'est toi que j'aime. Mon gars. Comment vas-tu, mon oui, cher? Oui, très bien. Comment vas-tu? Je pensais que c'était elle. Et c'est quoi tout ça? Elle était ici. Qui était ici? Angela. Celle dont je t'avais parlé que j'étais parti chez elle pour me présenter. Hé, attends. C'est la fille dont la grande sœur avait chassé autrefois. Ok, tu sais pourquoi je n'aime pas discuter des choses sensées avec toi. Tu penses que tout est aventure? Essaie d'être sérieux une fois. Est-ce beaucoup demandé? Ben, ce n'est pas mon intention. Je suis désolé. Oh, mais en passant, qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Arrête de parler de n'importe quoi, sinon tu vas rentrer chez toi. Ah, mon ami ici, vraiment. Ah, vraiment, tu es très grave. Ce n'est pas ce que je voulais. J'avais pas l'intention de t'insulter. Désolé. Et en passant, qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Mon cher, Angela était là. Pour me demander si j'ai déjà croisé sa sœur avant. Et si je la connais ou bien si j'ai menti ou si je casse quelque chose. Oh, mais Ben, tu n'as pas à te fâcher contre elle. Parce que le problème c'est compliqué. Essaye de bien voir ça. Le problème est compliqué? Mais oui. Comment est-ce que c'est compliqué comme tu le dis? Parce que je ne connais pas sa sœur ou parce que je n'ai jamais croisé. Entre les deux, qu'est-ce qui est compliqué? Ben, il faut te calmer. Elle essaie seulement de trouver d'où vient le problème. Selon elle, tu as couché avec sa grande sœur. Et selon toi, tu n'as rien à voir avec sa grande sœur. Donc, elle est un peu confuse. Oh, attends. Donc, j'ai moi? Non, attends. Tu es en train de douter de moi. Mais mon cher, qu'est-ce que tu es en train de raconter? C'est pour cela que je n'aime pas les discussions sensées avec toi. Parce que tu n'as rien à contribuer. Tu n'as rien à dire. Tu racontes que des bêtises. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? As-tu perdu la tête? Écoute, tu n'as pas à être fâché. Écoute, tu n'as pas à être fâché comme ça. Pardonne-moi. Toi, tu ne changeras jamais. Écoute, toi, tu es mon gars. Il faut aussi que je te dise tout comme ça.
Où est-elle? Ah. Ife, qu'est-ce que tu fais ici seule? Cet endroit n'est pas sécurisant pour toi, non? Hein? Quelle question est-ce? N'est-ce pas que je t'avais dit que je voulais te voir? Ce n'est pas vraiment ce qui m'a amenée ici. Je ne me sens pas du tout bien. Je ne vais pas bien. Tu ne vas pas bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ife, s'il te plaît, peux-tu me faire une faveur? Une faveur? Ok, parle. C'est moi si je pouvais le faire. S'il te plaît. Peux-tu prendre par ma sœur l'adresse des peines pour moi? Adresse pourquoi? Je ne comprends pas vraiment ce que tu viens de me dire. Ify, qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Les tout. Je n'ai juste pas compris quand tu as dit que je t'aide à prendre l'adresse des peines chez ta sœur. J'ai cru t'entendre dire avant que ta sœur puisse te les piquer. Hein, ou bien Ify, s'il te plaît, oublie tout ce que j'avais dit. C'est juste une petite faveur, non? Ce n'est pas petit, ce n'est pas petit. Je sais que tu aimes l'argent, je vais te payer. Regardez comment son visage a changé. Tu vas me payer? Je vais te payer. Ma gentille copine. Oui, joue à ce jeu, je vais te payer, c'est une petite chose. Tu vas vraiment me payer. Regarde, je ne sais pas si j'essaierai à mesure de t'aider, je ne sais pas du tout. Je sais que tu peux non, m'aider. Non, je te promets rien. Tu peux m'aider. Ah, ma chère amie. Ah, ah. Salut, salut maman. Salut mes chères filles. Ah, mes filles travaillées, soyez le bienvenu. Comment allez-vous? Nous très allons bien, mère. Oh, c'est encore le bienvenu. Merci. Maman, comment allez-vous? Je veux bien. À part les bagarres de mes enfants, mais je veux bien. Mais je voulais vous demander à ces sujets. Je vous demande à vous deux maintenant. Entre mes deux enfants, qui a vu Ben en premier? Maman, qu'est-ce que vous pensez? Qui lui a cogné avant l'autre? Maman, nous sommes aussi confuses. Esther a raison, maman. Vous savez que nous leur avons demandé pour qu'elle nous dise la vérité. Mais elle s'est d'ailleurs battue avec Obiageli à cause de ça. Quoi? Obiageli, ma fille, t'a battue? Oui, maman. À cause de cette affaire? Mais c'est du passé maintenant. Mais de toutes les façons, nous finirons par trouver qui l'a connu en premier. Nous allons le savoir. C'est pas un problème, mes enfants, c'est pas un problème. Merci beaucoup. Merci. C'est la raison pour laquelle je vous ai appelé. Je sais qu'elles ne sont pas là. On peut quand même colporter, c'est ça, non? C'est ah pas ben, grave, maman. C'est juste pour ça que je vous ai appelé. Je vous apprends, maman. Merci, oh. Vous faites un effort que ça ne vous arrive pas. Bonne année. Non mais attends, tu es vraiment très douce, je te jure. Hey. Hey. Alors, je garde maintenant ma promesse. Je crois que tu ne vas pas me décevoir. Hey. Mais comment tu peux dire une telle chose? Comment peux-tu? Écoute-moi, partout ici dans ce village, je n'ai pas des yeux sur d'autres filles, seulement sur toi. En tout cas, je te jure, c'est la vérité que je te dis. Oh. Bien sûr, crois-moi. Regarde un peu comment tu es, regarde tout ce que tu as là. Retourne, regarde, hein, tout ce que tu as là. Dis-moi un peu, qu'est-ce que je vais encore chercher? Tu as déjà tout ce que moi je cherche. Si hein? Tu payes seulement ma dot, tu auras tout ça, tout ce que Écoute-moi, je tiendrai à ma promesse. Aussi longtemps que tu vas commencer à bouger ça pour moi, aussi longtemps que ça bougera pour moi, je garderai ma parole. Venez-vous très tôt comme ça? Où est ton problème? Qu'est-ce que tu fais avec mon petit ami? Ton petit ami? Celui que tu vois, c'est mon bébé. Que la foudre ça batte sur toi! Ah? Hein? Moi la foudre? Toi! Laisse-moi! Osez! Salut, salut, la beauté. Désolé d'avoir interrompu ta marche. Pas de problème.
Bien, je m'appelle Ben. Je viens de la communauté d'Untedje. Oh, la communauté qui est juste à côté? Oui. Ok. Et je t'ai vu passer cette route. Et j'ai décidé de causer avec toi. Ok, passe une bonne journée. Ah, désolé, une autre chose. Oui, c'est quoi? Est-ce qu'on peut être amis? Des chers meilleurs amis, des vrais amis. Mais on n'est pas ennemis, n'est-ce pas? Oui, je sais, mais tu comprends ce que je veux dire. Attends, tu demandes à sortir avec oui, moi? Oui, s'il te plaît. Je ne sais même pas quoi dire d'autre. Tu comprends déjà? Ok, je t'ai écouté. Je vais y penser. Ok, moi, ça me va. Je peux avoir ton numéro, je peux t'appeler? Alors, tu as dit que tu passes très souvent de ces côtés? Oui, bien sûr. Alors, sois comme me rassurer que tu me verras encore passer. Ok. Ok. Très bien. Très bien. Tu es très belle. Esther, qu'est-ce qui fait que tu sois si excitée comme ça? Devine quoi? Je ne saurais deviner si tu ne peux pas. Ma, devine quoi? Je ne saurais pas. Peu importe, j'ai rencontré un gars à mon chemin. Il a dit qu'il m'a vu passer à côté et il voulait parler avec moi. Il a raconté beaucoup d'histoires. Il a dit qu'il m'aime et il veut que je devienne sa femme. Esther, tu veux dire qu'un homme dans ce village t'a dragué? Et tu lui as donné ton temps. Tout en sachant que les hommes de cette communauté ne sont que de bons à rien. Esther! Non. Il n'est pas de cette communauté. Il est de l'autre communauté. Es-tu sérieuse? Dis-moi, il est beau? La beauté seulement ne suffit pas. Cet homme est mignon. Il a une voiture. Oh. Et juste en lui regardant, je pense qu'il a beaucoup d'argent. Ce gars est riche. Arrête ça! Je suis directement impatiente de voir ces messieurs. Tu n'as qu'à être patiente. Bébé, maintenant dis-moi, tu as accepté d'être ta petite amie? Non, pas encore. Mais au fond de moi, je disais déjà oui. Mais je ne l'ai pas manifesté. Je lui ai dit que je veux réfléchir à propos de ça. Je fais comme si je n'étais pas intéressée. C'est vrai. Ma chérie, sois prudente. Merci. Oh, ma chérie, tu as frappé fort. Maintenant, où vas-tu? Tu vois, hein? Ok. Tu vois, hein? Si tu vois cette fille. Ok. Si tu la vois. En fait, elle est comme j'appelle totale définition de beauté. Elle est tellement belle. Ben, où as-tu rencontré cette fille que tu décris de cette manière? Car je sais qu'elle n'est pas de cette communauté. Mon cher, il faut que tu me connaisses vraiment. Je ne suis pas n'importe qui. Moi là, je ne blague pas. Mon cher, je sais comment gérer les choses, t'inquiète. Moi, je sais comment me prendre avec les filles. Et peu importe, elles viennent de l'autre communauté. Tu veux dire que cette fille est de la même communauté que celle que tu as été chassée avec une machette? Celle-là? Elle est différente. Attends, ok. Peux-tu juste faire une phrase complète sans dire de n'importe quoi? Hein? J'ai une question. Y a-t-il quelque chose qui se passe dans ton rêve qui te bouleverse autant la tête? Parce que tu ne fais que parler de n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Écoute, Ben, ne me condamne pas. Ne le fais pas. J'essaie juste de me rassurer que je comprends très bien la situation. Et au vrai, j'essaie de me rassurer qu'elle appartient vraiment à cette communauté. Est-ce que tu comprends? Peu importe. Je viens de penser à ça. Et si jamais Andela le découvrait? Angela. Angela. Oui. J'aime beaucoup Angela, oui, je l'aime. Mais les choses deviennent compliquées. Sa famille rend les choses très difficiles. Alors, que dois-je faire si ce n'est qu'avancer dans la vie? Elle peut aller trouver un autre homme si elle veut. C'est tout. Peu importe, Ben. Tu es un homme et tu sais ce qui est mieux pour toi. Oui. Alors vas-y, fais-le. Tu as raison. Je n'ai plus rien à dire en tout cas. Désolée de te faire attendre. Je devais finir ce que je faisais.
C'est pas grave, comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Je vais bien. Je t'ai apporté un truc. Je te demande pardon? Je t'ai amené un cadeau. Oh, merci beaucoup. Je t'en prie. J'ai vraiment apprécié. C'est très bien. Ah, je dois partir maintenant. Oh, qu'en est-il de ce qu'on avait discuté la fois passée? Tu n'as encore rien dit? Oui, je l'accepte. Tu as accepté de sortir avec moi? Merci beaucoup. Je t'en prie. Tu es tellement belle. Merci. Je te promets, tu ne seras pas déçue. Je dois partir maintenant. Ok, quand est-ce que je te verrai? À n'importe quel moment, je suis là. Ok. Bye. Alors, à propos de ton numéro, je vais la voir maintenant. Ok. 081 22 63 49. Très Merci. Bien. D'accord. Dieu, je suis aux anges. Hé, hey, fallait bien le voir. Mm-hmm. Non. Regarde, ce garçon est bien pour toi, ou? Ma chérie, fallait le voir. Non, laisse-moi te dire, si tu vois comment ce qu'il me traite, tu vas le mettre et il m'a emmené beaucoup de choses. Et il a promis faire encore plus. Hé, hey! Ma chérie, hey, tu as frappé. Hey! Et il m'a encore demandé, veux-tu devenir ma femme? Je n'ai pas hésité. Je lui ai dit, je vais devenir ma femme. Oh. Obi, ce que tu me demandes de faire n'est pas possible. Qu'est-ce qui est impossible? Quand tu me déshabillais en me touchant les fesses et en me faisant l'amour, tu ne voyais pas que la tâche était difficile. Maintenant, écoute, tu es obligé de me rendre ces services, sinon... Me suis-je fourré exactement? Quelle tâche difficile me suis-je confié? En fait, peine n'est pas une noix facile à avaler. Et regarde de choses, cette fille est capable de faire toutes sortes de bêtises juste pour salir mon nom. Que vais-je faire maintenant? Ah, comment vas-tu? En tout cas, je suis content. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Très bien, je t'appelle après. Bébé? Bébé? Comment vas-tu? Je vais bien. Tu es très jolie. Merci. Ifoma, je te présente mon bébé. Un bébé, Ifoma. Ifoma, arrête de te connaître. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton ami? Pourquoi elle est rentrée? Si à moi de te demander, l'as-tu déjà rencontré avant? Moi? Avant quelque chose avec ton ami? Non, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue avant. Ben, es-tu sûr? Je suis sûr. Je ne te mens pas. Laisse-moi voir avec elle. Ok, tu trouveras la solution peut-être. Ifoma, attends. Je ne la connais pas. Je ne connais pas qui elle est. Je ne l'ai jamais croisée. C'est quoi encore cette histoire? Ça veut dire quoi tout ça? Elle m'a sûrement confondu. Vas-y.
qu'est-ce qui exactement arrivait à Ifoma lorsqu'il a vu Ben? Pendant que Ben jure de ne rien avoir avec elle, qu'est-ce qui se passe exactement entre les deux? Qu'est-ce que je veux faire si jamais les deux ont quelque chose à voir dans le passé? Esther, comment peux-tu être méchante et égoïste comme ça? Comment? Ifoma, ça suffit avec ces insultes. Fais-moi comprendre qu'est-ce qui se passe avec toi. Donc tu veux me dire que tu ne sais pas que Ben est le même homme? Obiageli et sa sœur sont en train de discuter. C'est ce que tu veux me dire? Es-tu sérieuse? Mais Ben ne me l'a jamais dit. Pardon, excuse-moi. Ifoma, Ben ne m'a jamais dit quelque chose. Ifoma, attends. Donc, c'est toi qui veux prendre mon mari. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? Tu rends visite à mon homme ou pas? Oh! Donc, tu es devenue finalement méchante. Bien, ce n'est pas parce qu'on ne se bat pas, ce qui veut dire qu'on n'a pas la force. Ne déborde pas des limites. Ne déborde pas des limites. Comment peux-tu? Comment peux-tu être aussi méchant et sans cœur? Comme ça, tu as eu une histoire avec Angela. Tu le sais très bien. Et tu es quand même revenu dans cette communauté. Ben, tu es venu dans ma vie pour la ruiner, c'est ça? Sais-tu qui tu es? Tu es méchant. Tu es un meurtrier et sans cœur. Crois-moi, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Je le répète encore. Tu ne vas jamais t'en sortir comme ça. N'importe quoi. Nye, 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 nye. C'est toujours la même chose. Hein? Toujours la même chose. Toujours la même chose. Ma sœur par ici, ma sœur par là. Ah, laissez-moi me reposer. Oh. C'est quoi encore cette histoire? Hey! Mon fils. Papa. Ça fait plus que 2 semaines maintenant, depuis que tu es venu dans ce village trouver une femme. Malheureusement, les choses ont tourné de la manière dont elles s'étaient passées lorsque nous étions partis chez... J'ai celle que tu voulais épouser. Maintenant, quels sont tes plans après cet incident? Hein, papa, premièrement, j'aimerais te remercier de m'avoir soutenu. Hein, comme tu as dit, les choses commencent à prendre une autre tournure. Comme la voix m'avait dit. Je dois laisser le passé derrière. Oui. Et espérer le futur. Deuxièmement, je suis content comme tu t'es remis à pied. Tu es encore fort. J'étais en train de parler de mon plan pour me marier. J'ai déjà un plan. Je sais comment finir avec tout ça. Oui. Donc tu es maintenant prêt à te trouver une autre femme? Exactement. Es-tu sérieux? Benjamin, mon fils. C'est vraiment notre tradition depuis très longtemps que nous ne nous marions que dans la même communauté. Je suggère que tu cherches autour de cette communauté. Il y a de très belles femmes qui peuvent correspondre à ton goût. Hein? Tu peux te prendre une au lieu d'aller aussi loin. Juste pour trouver une femme. Hein? Papa, j'ai déjà compris, il n'y a pas de problème. J'ai compris ce que tu as dit. C'est ce que je vais faire. Benjamin, mon fils. Je suis sur une. C'est bon alors, rien de plus. Je vais à un enterrement à Oreri. Et je serai de retour avant que la nuit ne tombe. Pas de problème, papa. Moi, je réfléchis comment me marier. Comment me stabiliser? Benjamin, mon fils. Papa. Ok, Chukwu.
Je t'entends. Pourquoi tu ne me cherches plus comme avant? Je crois que ce n'est pas ce que je pense. Bien. J'étais occupé ces derniers temps. D'ailleurs, à quoi penses-tu? Tu vois une autre fille dans le village de Nebori? Moi? Comment? Ça va. Quand? Non. Tu sais quoi? C'est simple, tu peux nier, comme tu veux. Mais laisse-moi t'avertir, il n'y aura pas quelqu'un d'autre, excepté moi, moi seul. Es-tu sûr qu'on est au bon endroit? Oui, je suis très très sûr. Ah. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Salut. Bienvenue monsieur. Bonjour. Tu te rappelles de nous? Bien sûr. J'ai nettoyé votre voiture l'autre fois. Oui. Alors, comment vas-tu? Je veux bien. Vous êtes de passage ou vous êtes venu me rendre visite? Nous sommes venus chez toi. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a aucun problème. Vous êtes sûr? Oui. On est venu te voir. C'est vrai. Ok. Permettez-moi de vous prendre deux chaises. Très bien. Il va falloir qu'on soit calme et respectueux. Je prends cet appel. Encore une fois, soyez le bienvenu. Merci. Tu es tellement belle. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Obi. Comment pouvez-vous me laisser traîner dans cet endroit stupide comme ça? Mais comment attends-tu que je fasse une chose pareille en si peu de temps? Hein? D'ailleurs, Ben n'est pas une noix facile à avaler. Je pense que vous avez bien saisi mon message. Sachez que nous ne pouvons plus retourner en arrière. Vous connaissez très bien les conséquences et je vous donne juste quelques jours. Tu vois, moi et mon ami Okechukwu, on était dans ton stand. Je vais développer ce sentiment pour toi. Je vais développer un sentiment étrange pour toi. Et en regardant bien ta beauté, tu es spécialement ce genre de fille. Allô? J'aimerais faire de toi ma femme. Oui, je vais vivre avec toi pour toujours. Ta femme? Oui, ma femme. Ce n'est pas trop rapide. On ne peut pas se faire confiance. Oui, je sais qu'on ne se connaît pas encore. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Pour se connaître. Mais comme je disais, la première impression compte beaucoup. Alors j'ai suivi mon cœur. Parce que j'aime tout de toi. Juliette, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Fais voir un peu tes yeux. Juliette,
tu es enceinte? 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 Qu'est-ce qui t'étonne quand je te dis que tu es enceinte? Je t'ai dit que tu es enceinte. Ma soeur, je ne suis pas qui enceinte. Qui est? Juliette, c'est qui l'auteur de la grossesse? Je suis grosse comment? Ferme-la, je parle. Qui est le responsable de cette grossesse? Quoi? Cet homme, oui. Oh qui? C'est lui qui habite là-bas. Osé? Ça c'est bien, enfin. Allez, on y va. Allons. Osé, c'est ça, Osé. Osé! Oui, ça c'est bien. Comme ça, tu pars dans la maison de Osé. Hé, toi, ferme-la! Ne cite même pas mon nom! N'ose pas! Ma sœur, oh. Allez, on y va, vite! Vite! C'est ce que tu voulais! C'est ce que tu cherchais, tu vas voir! Tu n'as pas d'intelligence! C'est là! Allez! Pardon. Je vais te frapper! Vas-y! Ça, c'est la maison d'Osée! Pas de problème! On y va! Marche, marche, vite! C'est quoi ça? Quand tu écartais tes jambes là-bas, tu ne savais pas! On y va, ne m'appelle pas! Allons, 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 vite! Où est-il? Où est cet imbécile qui habite dans cette parcelle? Et qui est en train de crier comme ça, comme un animal? Eh, viens, 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 viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Le grain que tu as planté a poussé. Elle est là, je suis venue te la laisser. Qu'est-ce que tu veux dire? À ma dernière vérification, j'étais aux aides. Et partout ici dans ce village, c'est tout le monde qui me connaît. Mais qui est Gouze? Hein? Depuis quand moi je suis Gouze? Dis-moi un peu, depuis quand? Est-ce que moi je suis Gouze? Eh, dis, ferme-la! Fais un effort de prendre soin d'elle. Quand tu l'utilisais en écartant ses jambes, tu le savais? Ça ne te venait pas à l'esprit qu'elle pouvait tomber enceinte, c'est ça? Je te l'ai amenée. Et pour l'instant, il faut te préparer pour venir verser sa dot. Sinon, ce village ne saura pas nous contenir. Je vais te finir, Osé. Osé, regarde mais comment quoi? Il est. Osé, mais non, attendez d'abord. Est-ce que vous me connaissez? Que veux-tu dire? Me connaissez-vous? Bébé. Vous, les filles de ce village, vous êtes toujours comme ça. Vous allez chercher vos histoires ailleurs. Et c'est sur moi qui voulais venir tout jeter ici, c'est ça? Je fais ma vérification. C'est là que tu veux faire là, ne tiendra pas. Je t'ai dit, ça va pas tenir. Je ne veux pas de problème. Je te donne 2 jours, toi et ta soeur, pour venir régler sa situation. Sinon, hein, je te jure, tu ne vas pas croire que c'est moi qui t'ai fait ça. Regarde cet homme qui est habitué à engrosser le fils du village. Regarde celui-là. Tu ne peux pas garder ton truc là pour toi-même. Hein, tu es comme toi. Allez, toi, partons comme ça. Je t'ai dit 2 jours, tu n'as 2 jours. Et qu'est-ce que vous pensez que vous êtes? Vous n'êtes que de pourriture. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien du tout. Partout ici dans ce village, tout le monde sait que je suis OZ. Ah, toi aussi, je t'avais dit. Ce film avait un problème. Non, ça va tomber sur eux-mêmes. Moi aussi, oh. Hey! Obiageli, qu'est-ce que t'as? Tu vas bien? Je ne sais pas où. Je pense que c'est de la fièvre. Mais tu n'es pas chaude? Comment tu dis la fièvre? Tu es sûre que tu n'es pas grosse? Grossesse quoi? Je ne suis pas enceinte. C'est seulement la fièvre. Quand je vois une femme enceinte, je connais avec mon âge. Alors parle. Ma sœur Agnès, sœur religieuse, sainte Angéline. En fait, tu es maintenant enceinte. Obiageli, parle maintenant. Dis-moi qui t'a engrossé. Avant que je me charge de toi, dis-le vite. Eh bien, comme vous le savez, je suis enceinte. Et c'est Ben qui en est le responsable. Hein? Et j'en suis fière. Maman, Ben. De quel Ben parlais-tu? Quel autre Ben vous connaissez? Si ce n'est pas celui que... N'est-ce pas celui que cette voleuse de mari allait prendre? Maman, Ben. Nel. Eh hey, oh, mon Dieu, ne me laisse pas tomber, oh. Qu'est-ce que tu as fait? Maman, je n'ai tué personne. Je ne suis qu'enceinte. Et je ne sais pas pourquoi tu réagis comme ça. Tu ne fais que t'agiter.
Sacrilège, oh mon Dieu, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Mais qu'est-ce que je me suis fait? Mais comment me suis-je permis de me lancer dans un tel acte abominable? Mais comment Ben va-t-il se sentir s'il arrive à tout découvrir? Écoute-moi, Angela. Tu peux pas juste venir dans la parcelle de mon père pour m'insulter. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si je t'insulte, qu'est-ce que tu vas faire? Après ce que tu viens de faire, n'importe quoi, tu es un grand menteur. Tu n'as même pas eu honte de venir dans la parcelle de mon père avec tes deux pieds, juste pour demander ma mère un mariage, alors que tu as une affaire avec ma grande sœur, hein? Mais quand je t'ai demandé, tu as nié cela, tu m'as dit que tu ne l'as jamais rencontré. Ben, tu es vraiment méchant comme un sorcier. Angela, je t'avertis encore, je ne veux pas que tu dépasses tes paroles encore. C'est vraiment du n'importe quoi. Quant à ta sœur, je n'ai rien à foutre avec elle, rien. Rien à foutre avec elle. Je l'ai dit, je l'ai redit toujours. Et avec tout ça, tu appelles ça une relation amoureuse. C'est fini entre nous. Oui, j'ai fini avec ta famille des problèmes. Pars. Quitte ma maison. J'ai dit quitte ma maison. Angela, quitte ma maison. Sinon, je vais te frapper. Je dis quitte ma maison. Non, ne me touche pas. Quitte ma maison. Quoi. Il me touche encore n'importe quoi, prostituée. Tu veux continuer tes affaires avec quelqu'un d'autre, pas moi. C'est quoi cette histoire encore? C'est qui ta sœur? Serre par ici, serre par là. C'est qui ta sœur? Tu es qui d'abord? Alors, tu veux dire que Biagedi est enceinte, Ben? Ça doit être ça, oh. Mais ce qui étonne est que Ben nie tout le fait qu'elle dit. Ha! Alors, qui l'a engrossée? Elle est devenue un enfant pour ne pas savoir qui l'a engrossée? Si tu me demandais, je vais demander à qui? Oh. Dans tout ça, je sais mon pitié d'Angela. Elle ressent vraiment beaucoup de la peine. Arrête ça! Il y a plein de hommes en route. Tu as raison. Parce que mais... cette affaire commence à fatiguer. Se battre chaque jour, je suis fatiguée, pardon. Eh oh bien qu'elle... Aujourd'hui, elle se bat. Demain, elle est grosse. Wow. Ce n'est pas croyable. Je te dis, ma soeur. C'est bon, moi je m'en fous. Alors, ma chérie, dis-moi. Donc, ce que les gens disent, que Julia est enceinte de Ouzo. Mais ça, ce n'est pas possible. Tu sais que Ozzy avait couché avec moi, après m'avoir promis beaucoup de choses. Et maintenant, il nie cette grossesse. Ma sœur, arrête de crier, les murs ont des oreilles.
Tu dis quoi? Ce n'est pas normal. Hey. Tu sais que Ouzo sait jouer de nous. Hey. Qu'est-ce que j'entends là? Hey. Je l'ai entendu très bien dans mes oreilles et c'est clair. Non, mais vous n'avez pas honte. Regardez, regardez, là vous êtes arrivé. Regardez comment vous êtes finalement tombé sur un même homme. Honte à vous. Voilà pourquoi je dis que vous êtes de filles sans travail. C'est bien fait pour vous. Prochainement, vous allez vous renseigner. Your blood go be your enemy. Sometimes your friends go for your hand, so. But you know me say you be bad person. Not jealousy, I'm bad mind. My belly no good. Oh. Hey, hey. Wish can life obey this soul. Na person where you call your friend, na him go stab you for back yo. Obi mada choka. Ewo obi mada choka. C'est bon, allons de l'autre côté. Non, je veux qu'on parte comme ça. De ce côté? Ok. Non, ne te repose pas. Viens, passe. Je suis fatiguée. Allons de ce côté. Viens, non. Je suis fatiguée. Ah, s'il te plaît. On va courir jusque là. Juste là, oui, où ça? À côté de cet arbre-là. On y va. Sois prêt, non? Un, départ, vas-y, non? C'est okay, bon. D'accord. Tu peux le faire, non? Sois un homme. Hein? On y va. Hein? De... Tu t'arrêtes, vas-y, non, continue. Viens, viens. Tu peux, voilà, vas-y, viens. Suis-moi, non, moi je suis arrivée. Ok. Voilà, tu es mon champion. À ton tour. Oui, fais-le. Si tu veux, on peut même, on comment peut me rentrer encore? Là-bas. Oui, vas-y, entre jusque là-bas, entre. Oh, oh. Voyons. Non, mais attends, non. S'il te plaît. S'il te plaît. Cours encore. Ça suffit. Viens, non. Je suis fatigué. S'il te plaît. Toi aussi, pourquoi ça? Je crois qu'on va aller comme ça. Tu vas de l'autre côté. D'accord. Allons-y, alors. Oui, on va on part de là. Ce côté ou là-bas, alors? Ça va. On attends, y attends, va, attends. Alors allons-y. C'est bon, on y va. Attends, dis-moi, c'est quand la dernière fois que tu embrassais un homme? Embrasser un homme? La première fois. Mon premier? Mais tu es mon premier amour, non? Comment tu me poses encore la question? Ah, la dernière fois que j'ai vérifié, je ne crois pas que j'étais la première personne. Ah, ok, stop, non? J'ai peur. Ah, tu sais que okay. Tu es mon premier amour. Je n'ai jamais embrassé un autre homme avant que je n'embrasse ses lèvres pulpeuses. Mes lèvres? Mmh. Ok. Accepté alors.
Alors, parle-moi de toi. Moi? Je suis encore vierge. Oui? Ah, tu m'aimes! Regarde-lui! Tu es menteur. Yeah, chaste. Des capsules pour moi, s'il te plaît. Arrête. Donne-moi maintenant, c'est mon tour. Allez, ouvre la bouche. Ah. Non, donne-moi. Ah non. Te dérange pas. Toi, tu as déjà bu, non? Allez, prends ça. Tu peux prendre ça. Tu vois ces pains? Tu peux manger avec okay. ça. Ok. Prends, rajoute ça. Donne-moi, je te fais boire. Donne-moi, je te fais boire. Non, mais je crois que tu as déjà pris assez. Attends, prends ça. Un. Désolé, oh. Désolé. Éduqué. J'ai amené seulement ça pour de la toi. Fièvre. Attends. Oh, c'est bien ça. Prends ça, d'accord? Tu iras mieux, d'accord? Ok. Donne-moi ma part. Oh, mais regarde, laisse pour moi, non. Non, attends, oh. Je vais te donner. Oh. Oh. Ah. Je vais t'attraper, attends, tu vas voir. Ah, attends, je vais te donner. Non. Donne-moi, non. Ojo, tu as vu, hein? Je ne veux plus venir. Je ne veux plus te suivre. Ojo, hein? Donne-moi.
mon amour. Je suis désolé de ne pas avoir été là pendant tout ce temps. Je sais que tu avais besoin de moi, mais je suis désolé. Je suis une autre personne maintenant. Ok, Chukwu. Je t'ai donné mon cœur, l'amour, les temps et tout. Mais tu as préféré me tourner le dos quand j'avais plus besoin de toi. Hein? Même quand je t'ai demandé, tu as nié de ne pas avoir une affaire avec une autre femme. Ah, s'il te plaît, je t'en prie. Je te demande pardon, j'ai besoin de rester seule. Pars, je t'en prie. S'il te plaît. Mon amour, je comprends comment tu te sens. Mais rappelle-toi de tous nos bons moments, notre affection, notre amour. Je promets de ne plus t'abandonner. S'il te plaît, j'abaisse mon cœur. Mon cher, je ne veux pas te faire perdre le temps, s'il te plaît, pars. Pars. Parce que je ne serai plus la même. Je t'en supplie, s'il te plaît. Je suis à genoux. Vraiment. Mes enfants. Mes enfants. Aujourd'hui, vous avez ma bénédiction. Vous aurez un mariage réussi. Issé. Femme, tu aimeras ton mari. Issé. Et ton mari aussi va t'aimer. Issé. Tu donneras naissance aux enfants pour lui. Issé. Et vous serez heureux. Vous aurez des garçons. Issé. Deux filles. Et si possible, vous aurez peut-être même... Vraiment, papa. Vous n'allez pas mourir jeune. Issé. Vous allez vivre pour bien élever vos enfants. Issé. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Merci, merci beaucoup, papa. Je vous en prie, mes enfants. Merci, tonton. Oui, c'était ça. Et il a tué le criminel. Oh, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux venir chez moi ici? Chérie, c'est vraiment la question que tu peux poser à une femme qui est enceinte de toi. Hein? Enceinte de qui? Jamais de ma vie. C'est ça. Enceinte de qui? Il serait bien que tu quittes la maison. Quitte ma maison. Benjamin. C'est quoi encore le problème qu'il y a ici? Papa, tu ne la reconnais pas? La grande sœur de la femme que je voulais épouser. Celle que tu avais chassée avec la machette. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Demande-lui, qu'est-ce qu'elle fait ici? Nae, comme vous pouvez voir, je suis enceinte de votre fils. Et je suis là pour rester. Tu l'as entendu? Et elle dit qu'elle te l'a rendu grosse. Papa, elle ment. Je ne sais pas de quoi elle est en train de parler. Je ne suis pas le responsable de cette grossesse. Elle n'est pas à moi. C'est quoi ça? Attends, attends. Benjamin, reviens ici. Tu vas les gérer tout seul. Oh. Hey. Problème. Ma fille, c'est quoi d'abord ton nom? Obiagorim. Mais c'est quoi le problème? Ne peux-tu voir que je suis là? Hein? Attends. Qu'est-ce que tu fais ici? Que veux-tu dire par qu'est-ce que je fais ici? Ah ah! Attends. Ok, Chukwu,
Tu la connais? Ne t'inquiète pas, c'est rien, c'est rien. Papa, ne vous inquiétez pas. Je ne te comprends pas. Papa, elle reste toujours là. Hein? Tu es toujours là, je t'avais averti d'amener cette grossesse à l'homme responsable. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire je ici? Je n'irai nulle part. Cet enfant qui est dans mon ventre t'appartient. Sans effet, ça ne se fera jamais. Cette grossesse n'est pas le sien. Es-tu folle? Es-tu stupide ou quelque chose de ce genre? Qui es-tu? Qui es-tu? Jeune fille. As-tu dit que cette grossesse n'appartient pas à mon fils? Naï, un jour, je l'ai vu sortir avec Frère Ben de la maison. Mais en le regardant, il était vraiment ivre. Pourquoi est-ce que tu ne dis pas la vérité? Quelle vérité? Hey! Qu'est-ce qui se passe réellement? Écoute, il serait mieux que tu racontes la vérité ou sinon je vais réagir et si je vais te frapper. Mais dis la vérité, qu'est-ce que tu attends? C'est quoi ça? Ben, je t'avais drogué pour coucher avec elle. Hein? Ben, calme-toi. Tu m'as drogué? Ok, mais... tu crois quoi? Tu m'as drogué pour coucher avec cette fille? Ok, comment tu as... Hey! Oh mon Dieu! C'est quoi le problème? Il y a quelqu'un après moi! S'il te plaît! D'accord, pas de problème, je vais t'aider. Allons-y comme ça. Ojo-wa, ma soeur. S'il te plaît, aide-moi à amener cette nourriture dans la maison de Okechukwu. Ok, dis-lui que je viendrai après. Ne perds pas le temps. Oh. Non, pas du tout. Tu sais, au vrai, je ne sais comment te dire. Tu es si douce. Tu peux le dire encore. Eh bien, tu as déjà mangé la pomme du jardin. Il est temps d'en payer le prix. Mais désolé, si je peux demander, c'est quel genre de paiement? Prends ceci. À quoi est-ce que ça sert? Prends-le. Mets ça dans la nourriture de Ben ou sa boisson. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour ton information... Ne pose pas trop de questions. Sois-en sûr que son père ne sera pas à la maison. Sois prudent. Donc c'était toi, tous ces temps? C'est toi qui es derrière toutes ces bavures? Ok, Chukwu. Tu es vraiment un démon habillé en ange. Je t'ai hé et tu sais quoi? C'est fini entre nous. S'il te plaît. N'ose même pas. C'est quoi ces bêtises? Je suis tellement déçu. Je me demandais qu'est-ce qui se passe dans... En tout cas, tu ne raisonnes pas. Mais pourquoi tu as fait ça au Okechukwu? Pourquoi? Tu m'as poussé à coucher avec cette chose. Regarde, maintenant elle est enceinte. Enceinte de qui? Enceinte de moi? Jusque là, c'est ça. Même moi, vraiment, ça m'étonnait. Mais bon, que faire? C'est la réalité. On n'a pas de choix. Il faut faire avec. Est-ce que ça va? Ifoma, qu'est-ce qu'il y a? Parle! C'est comme si c'est...
c'est moi qui ai aidé ta sœur à avoir la tresse de Ben. Fais un effort de la suivre pour avoir l'adresse de son copain, ok? La traquer n'est pas du tout un problème. Et de toujours la traquer est bien mon boulot. Aussi longtemps que tu auras ça. Ne te dérange pas pour l'argent. J'en ai. Toi, fais d'abord ton travail. Ok? Bon, ça va. Il faut que je parte maintenant. Ifoma, toi et moi savons que je ne joue pas avec ces mots argent. Sois calme. Ne te dérange pas. Vas-y. Ok, moi je pars. Tu veux que je te passe des informations pendant que tu ne m'as pas encore mis ces quelque chose. Libère-moi si tu es à l'adresse. Donne-moi. Attends là, je te donne ton argent. Prends vite. Passe-moi maintenant. D'accord, tu ne m'as pas vu, je t'ai pas vu. C'est comment? Écoute, je te donne cette adresse. Écoute, ne cite pas mon nom. Calme-toi. Donne-moi quelque chose. Donne-moi les restes. Maintenant, va-t'en. Je te verrai d'un moment à l'autre, ok? Tu me promets encore. Mais commence pas. Ah, mon ami, ma copine. Vas-y. Ok, je pars. Merci, hein. Ifoma, tu es méchante. Tu es une sorcière. Comme ça, tu continues de faire ça avec Angela? J'ai pensé qu'on était des amis. Tu es un démon. Esther, s'il te plaît. Ne m'appelle pas. Ewa. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne veux pas bien. Non. J'ai très mal ici. Bientôt tu seras rétabli. Tu vois comment elle est? Elle est juste là. N'ose même pas toucher, j'ai très mal. Okay? Calme-toi, je reviens bientôt, oui, d'accord? Oui, c'est bon.
Mon chéri, reviens. Reviens, oh. Pied bossu. J'ai mal. J'ai mal, oh. J'ai très mal à cet endroit. Je pars chercher des lettres. Je reviens bientôt. Hey. Oh, je suis en train de souffrir, oh. Ouh. Lucia, bonjour. Salut. Je l'avais même amenée à l'hôpital. Mais jusque-là, elle n'arrive toujours pas à mettre au monde. S'il te plaît, j'aurais appris que tu as les dons pour aider les femmes enceintes ou des cas pareils. Peux-tu, s'il te plaît, venir avec moi? S'il te plaît, Lucia. C'est bon. Allons-y. Très bien. Merci. Elle est venue. Oh, j'ai vraiment mal. Oui. Oui. Je suis venu avec elle et elle va t'aider. S'il te plaît, calme-toi. On va trouver une solution. Le prix du pouvoir, l'autorité et la position ont été retournés dans sa maison. Degosia, je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Ce qui se trouve dans sa maison sortira lorsqu'il y aura la paix. La paix? La paix. La paix, j'ai dit. La paix. Je dois prendre mon chemin. Maman! Maman! Angela! Angela! Oh. Où sont-elles encore passées? Maman! 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 La vie, comme on le dit, c'est une leçon. Nous ne connaissons pas comment ça nous enseigne, mais elle nous enseigne beaucoup. Prendre le bonheur de ma vie n'est pas un problème. Je pouvais être méchante envers toi, mais je te pardonne par le nom de Jésus. Maman n'est plus. Je suis maintenant en ville pour une nouvelle vie. Pourquoi? Je t'ai pardonné. Et je crois maman t'a aussi pardonné. Oh. Ma maman n'est plus. Maman, je suis désolée. Ah.
Maman, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée. Maman, pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Maman, désolée. Maman, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Maman. Je suis désolée. Joker.